Donc, je m'appelle Guillaume Rondel, j'ai 26 ans, je suis chaudronnier au sein du chantier Pierriou à Concarneau depuis 2 ans. Mon poste c'est chaudronnier. On est amené à réaliser des pièces d'ouvrage chaudronné en aluminium pour fabriquer des bateaux. C'est le chantier naval qui m'a attiré pour la diversité du métier, qu'on peut très bien travailler à l'atelier comme à bord. C'est surtout pour ça que ce métier est intéressant, l'autonomie aussi dans le travail qu'on nous donne. Les différents postes liés à mon métier sont surtout de la prise de cote, la mise en forme en atelier, puis la mise en place sur bateau de la pièce qu'on a réalisée à l'atelier. Le côté intéressant du métier, c'est qu'on est amené à travailler en équipe. Il y a différents corps de métier tels que des menuisiers, des mécaniciens, des soudeurs, des dessinateurs, des chefs d'équipe pour nous encadrer. Tous ces corps de métier nous amènent à construire un bateau qui, au final, doit flotter. En aucun cas, je regrette le choix que j'ai fait en intégrant l'équipe. On nous forme, on nous accompagne, on nous encadre. Le matin, quand je me lève, je suis content de venir travailler. On apprend tous les jours, donc c'est que bénéfique. Le fait de voir un bateau naviguer pour la première fois, alors qu'on a travaillé dessus pendant toute une année, on en parle à tout le monde, on leur explique ce qu'on a fait dessus. On est vraiment fiers de faire partie d'un maillon d'une chaîne qui est vraiment importante pour construire un bateau. Je m'appelle Benjamin Lescornet, j'ai 29 ans et je suis second capitaine. Après un bac S, j'ai présenté le concours de l'école de la marine marchande. Depuis 3-4 ans, je suis sorti de l'école et je suis passé assez rapidement second mécanicien, puis second capitaine. Étant donné que j'ai passé toute mon enfance près du Havre, j'ai souvent vu entrer et sortir tous les bateaux dans le port. Ça m'a donné envie d'embarquer également. Et j'ai choisi la marine marchande. La marine, ouais, c'est un mode de vie. On navigue pendant 2 à 3 mois et on débarque et on va en congé pendant 2-3 mois. À quai, on a beaucoup de relations avec le planeur. Donc le planeur, c'est la personne qui s'occupe de placer les conteneurs à bord. Donc on va s'occuper de contrôler tout ce qui est stabilité du navire et vérifier la ségrégation entre conteneurs dangereux, conteneurs frigorifiques. Un conteneur dangereux, là, en B07, il a bien été chargé. Donc pas mal de contrôles pour partir dans les meilleurs délais. Donc en mer, je vais faire du quart, par exemple de 4 à 8 et de 16h à 20h. Je vais être à la passerelle et je vais diriger le bateau. Éviter qu'il y ait des collisions. Manœuvrer le bateau. En plus de ça, je vais avoir toute une activité qui va être de s'occuper de tout ce qui est sécurité à bord. La détection incendie et également la gestion de l'infirmerie. Quand je suis à la passerelle d'un navire comme le CMACGM Fort Saint-Pierre, c'est beaucoup de plaisir de manœuvrer aux approches de port, mais également en pleine mer. C'est vraiment un métier très dynamique. Si c'était à refaire, je n'hésiterai pas du tout. Je foncerai dans la même direction, je continuerai ce métier-là. Second maître Vatel, j'ai 24 ans et je viens de l'île de la Réunion. Après mon baccalauréat, j'ai toujours voulu m'engager, alors j'ai sauté le pas et puis je me suis dit pourquoi pas la Marine nationale. Je travaille au sein du central opération du BPC d'Ixmude. Mon métier de détecteur consiste à se renseigner sur ce qui se trouve autour de notre bâtiment et à voir ce que l'œil humain ne peut pas voir et ce que le radar, lui, va détecter. Savoir ce qu'il y a autour de nous va permettre d'assurer la sécurité nautique du bâtiment. Propulsion 10%. Et puis de rechercher éventuellement des pirates, pourquoi pas, et tout simplement éviter la collision avec d'autres bâtiments.
marine me permet de servir mon pays tout en ayant un quotidien qui sorte un peu de l'ordinaire, voyager et puis vivre des expériences hors du commun. Se retrouver au milieu d'un bateau parmi des hommes pendant plusieurs mois d'affilée, ça peut représenter une certaine difficulté, mais on s'adapte et puis on se soutient les uns les autres. Ce qui est assez fantastique dans la marine, c'est qu'on a souvent plus confiance en vous que vous-même, vous n'avez confiance en vous. Donc c'est assez extraordinaire. Ce que je peux retenir de ma mission, c'est lorsque j'ai amené ma famille à bord de mon bateau à l'île de la Réunion. Je crois qu'avoir les parents fiers de soi, c'est la plus belle des réussites. Je suis fière de travailler au sein de la Marine nationale. C'est toujours une fierté de pouvoir servir son drapeau. Alors moi, c'est Julien Somsou. J'ai 22 ans et mon métier, c'est marin pêcheur. Alors à l'âge de mes 15 ans, j'ai embarqué une marée avec mon père pour voir ce qu'il faisait comme métier, ça m'a plu. Et j'ai fait 2 ans de BEP à l'école de pêche d'Etel. Une journée pour moi, c'est je me lève à 3h moins le quart du matin. On part du port à 3h. On a une heure et demie de route tous les matins. Et après, donc on commence à relever tous les filets qu'on a mis la veille, qui sont restés 24 heures à l'eau. Donc il y en a un qui est derrière à ranger les filets et deux devant qui tuent le poisson, qui l'enlève du filet, qui démaille. Donc une fois tout ça levé, on met tout en caisse, on lave le poisson, on nettoie le bateau, tout ça. On débarque la pêche à quai. La met en criée et puis bon, après je rentre chez moi et je fais une petite sieste d'une heure et demie. Ce qui m'attire dans ce métier-là, c'est la découverte de tout ce qu'il peut y avoir dans les filets, une nouvelle journée, un nouveau temps. Il y a toujours quelque chose de différent. Le salaire évolue en fonction de la pêche. L'été pour nous, l'hiver des fois, ça peut être très satisfaisant. Il faut être passionné, je pense, car c'est un métier physique, dur. Par contre, il y a des avantages. On a beaucoup de chance quand même d'être dans un milieu pareil. Voilà, il faut aimer son métier. Je pense qu'il y a de l'avenir dans la pêche, donc je ne me fais pas de soucis. En plus, j'ai un bon professeur pour m'apprendre le métier de patron. J'ai commencé tôt ce métier-là, mais je ne regrette pas de l'avoir commencé tôt. Car maintenant, j'ai une bonne place et je suis fier d'être marin pêcheur.